nalingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga Yawe limbisanga limbisa Yawe limbisanga nasingi koluna yo. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Acclamons pour la gloire de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen, amen. On avait commencé notre thème principal sur la grandeur. La véritable grandeur selon Dieu. Nous avons vu Jean-Baptiste, il était le plus grand parmi Batunyon Sobotama Namokili. Il n'y a personne qui est plus grand que lui. Na ba norme mokili. Mais d'après Dieu, mais quelqu'un qui habitait, qui vivait dans le désert, qui n'avait pas de maison, alléluia, alléluia. Mais Zambalobi qu'il était le plus grand. Alléluia, alléluia. Et on avait compris que grandeur ezana katia mut oyo azomi kitisa. Premier point pour nous kitisa azamut oyo aibi ko surmonter ma faiblesse. Il faut avoir la capacité de surmonter ses faiblesses et pour les surmonter, il faut les connaître. Donc, nous devons apprendre à surmonter nos faiblesses. D'abord, quand on dit les surmonter, il faut d'abord les connaître pour les surmonter. On avait enseigné à tout le monde d'avoir la connaissance de soi. Après koyeba, ko surmonter mabé, et ko garder ba point fort. Alléluia. Et nous avons compris ensemble que Jean était émis par de fortes convictions. C'est-à-dire, un homme qui était très sûr de ce qu'il faisait. Il croyait vraiment en Dieu. Il était sûr de ce qu'il prêchait. Alléluia. Et Jean, Azaki Moutumoko, Ami Boyaki, Ami Tiki, Atiki Marmounion Swamokil, Atiki Bajo Moussoussou, Maka Moussoussou, Oye Batumsou Basepelaka, Yatikaki, parce qu'il aimait beaucoup son Dieu, pour la Kotaï Sabolingonaye et Pananzam. Amen, amen. Maintenant, ce matin, nous allons parler d'un thème comme thème la grandeur. La grandeur d'après Dieu, c'est l'appel. L'appel privilégié. On prend d'abord un thème comme appel privilégié de Jean-Baptiste. Alléluia. L'appel privilégié de Jean-Baptiste. Appel Oyo, Zambé Asalaki Jean-Baptiste. Parce que Jean était un appelé. Quelqu'un que Dieu avait invité pour son service. Amen, amen. Dieu l'avait appelé pour le servir. On appelle les gens pour servir Dieu. Et parmi les appelés, il y a des choisis. Les choisis, c'est qu'on appelle pour travailler. Jean était l'un d'une personne aux hommes à Bengi, mais appel naïe, c'est ça qui privilégie par rapport à l'appel Moussous. Alléluia. Maintenant, pour avancer, notre bien-aimé veut nous prendre le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 9 à 11. Matthieu, chapitre 11, versets 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus-Christ a posé question. A posé question. Un prophète, Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur. Alors lui, Jean n'était pas seulement un prophète. Lui était plus qu'un prophète. Alléluia. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Pourquoi il était plus qu'un prophète? Parce que c'est celui qu'on a écrit. C'est à cause que à cause de la à côté avant Mokonzi pour préparer les chemins. Pourquoi Jean est plus qu'un prophète? Les prophètes donnaient des prophéties. Mais Jean a une prophétie moko oyo azopesa alobi mutu oyo azuya simananga asiayaki. Et si ma ko prêcher Christ, ko préparer la Christ. Et Jean était la personne, la première personne à montrer le Christ au peuple. Jean est venu, il a travaillé pendant des années, il prêchait, évangélisait, il a fait son travail, tant moulay na katia désert, a koma ki na sixi à makas, azopé sa prophétie, azopé sa prophétie, azopé sa prophétie. Et un jour, pendant toujours sa vie, Jean prophétisait et s'accomplit. Alléluia, alléluia. Atalisi bango le Christ. Ba prophète baleka na mokili. Ba pesa message à Jésus-Christ. Mais pour na bango ezaki ka message moko ezoleka. O bango moko bazo confirmer te soki ekoleka ndenge nini. Bango moko bazo associer ba mona Yesu ba mona été. Mais Jean c'est le prophète qui était venu qui a parlé de Jésus-Christ. Après avoir parlé de Jésus, a démontré que Yesu angu ye oyo. Amen, amen. Parce que c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Abi, à cause de la mission wana, obalobaki yende bakomi, j'envoie mon messager. C'était le messager de Dieu, ce que Dieu lui-même avait envoyé pour préparer son chemin. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens basana poussa baso à place à Jean parce que Jean c'est Élie. Il marchera avec l'esprit d'Élie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui baso à place wana. C'est moi le messager. C'est moi le prophète que Dieu avait envoyé avec l'esprit d'Élie. Alléluia. Jean, pourquoi? Parce que basana poussa va comme aminer le cola Jean. Parmi ceux qui sont nés des femmes, mon côté à l'équipe Jean-Baptiste. C'est pourquoi aujourd'hui, aux hommes, on a des prophètes et des Jean, Élie. Ils ont pris ces noms-là. Pourquoi? Parce que la préférence, il y a orgueil, comme minene, comme parmi minene na bato abotami na mwasa mokili. Alléluia, alléluia. Alors Jésus-Christ. Pour alumula batna bakanisi ke bato so bakoma na penser bakoma lokola ba Jean alobi mais na bokonza lola mwana moke alekiye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que na mokili awa na mission bato bazwa na mokili na travail appel na bato bazwa na mokili appel eux eleki ya Jean na bato nyonso ezate appel à Jean eza appel moko ya likolo. Parce que Jean a écouté sa Zambé face en face à Pessi prophétie en Zambé, pe alubin Zambango ye oyo. Alléluia. Amen, amen. C'était un grand des prophètes. Mais normalement, Jean n'était pas Élie, mais il avait marché avec l'esprit d'Élie. Alléluia, alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, notre Seigneur. Parce qu'ils allaient commis que voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point à Paris de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand que Abraham. Parmi ceux qui sont nés de femmes. Quand on dit parmi ceux qui sont nés de femmes, ça veut dire que parmi Batounion sur Moukil, nature humaine, nature nabiso. Alléluia, alléluia. Dans le monde nabiso, na bato so botama na monde na biso mokote liboso na Nzambe aza monene lokola Jean-Baptiste. Alléluia. Maintenant les gens de ce monde cherchent à s'égaler à Jean. Ils cherchent à devenir les prophètes comme Jean, les prophètes, les messagers comme Jean. Mais comme ça, ok, non. Ce n'est pas, il ne faut pas chercher à devenir comme Jean. C'est lui qui cherche à devenir comme Jésus. Amen, amen. Et plus grand que Jean-Baptiste. Les moindres qui cherchent à être appelés chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Ne cherchez pas à devenir comme Jean. Ne cherchez pas à avoir les privilèges comme Jean. Alléluia, alléluia. Mais cherchez à devenir comme qui? Jésus. Habit le plus petit. Celui seulement qui a même le coup la graine à s'énerver. Dans le monde de Dieu. Privilège de Zambé. Et l'équipe privilège à Mistala Nyons Tosalak. Alléluia, alléluia. Ceux qui m'ont dit, Moussala Mounen, Nakatia Moukine. Balobi ke na lola, le plus petit seulement, il est plus que celui-là. Alléluia. On ne voulait pas dire que Jean aza petit na lola, non. On voulait dire que na musala mokili ata osali musala nin, ata osali nin na mokili, ata nzamba peso mission nin. Alléluia, alléluia. Soki okangami na nzambe te oyo ko perdre c'est plus que bloko zora na mokili. On veut nous faire montrer que misala nyonso to kosala mokili. Et le kilola té, lola c'est autre chose. Le royaume des cieux, c'est quelque chose de plus privilégié. Il faut que tout le monde pour en avoir. C'est le père le plus précieux. Bijou et l'équipe bijou nyonso. Ils ont été pour la moukilo, ils ont pasteur mounene, ils ont succès, ils ont pour la moukilo, ils ont baïbi que yonde moutou nzambe, ils ont nyonso anaté. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la vie. La vie éternelle. C'est le plus précieux des choses. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. À partir d'aujourd'hui, mon frère, tu dois savoir que parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas à Paris mon côté à tel quoi paraître. Mon côté abîma le col à Jean-Baptiste. Il est plus grand qu'Abraham. Parmi ceux qui sont dans des femmes. Jean est plus grand que Moïse. Parmi ceux qui sont dans des femmes. Jean est plus grand que Ésaïe. Parmi ceux qui sont dans des femmes. Jean est plus grand que Marie, la mère de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Il est plus grand même que Marie, la mère de Jésus-Christ. Parce qu'elle est aussi née des femmes. La mission qu'avait Jean, et c'est qui la mission, l'appel la plus privilégiée dans le monde des choses de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, il était plus grand que les restes. Quand je vois les gens, les morts, pourtant que Jean qui était plus grand que ces gens-là, dans le royaume des cieux, il est moindre. Amen, amen. On ne peut pas l'adorer. Dans le royaume des cieux, Asa est l'autre côté. Alléluia, alléluia. Lui, il était plus grand que Marie, le plus grand que Abraham, il était plus grand que Moïse. Alléluia, alléluia. Alléluia. Même lui-même, Jean est Élie, Asa rien. Il y a aujourd'hui les gens, prophète, il attend de la fin. Ces prophètes ont pris le nom d'Élie. C'est moi Élie. Mais dans le royaume des cieux, Asa rien. Alléluia. Un jour, Jésus à la montagne de Gethsémané, avant sa mort, quand il voulait donner sa vie pour nous sauver, il était avec le sien, les apôtres, ses disciples. Jésus était là. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. C'est Élie. C'est lui qui représente Jean-Baptiste. Amen, amen. Babi Jean avait marché avec l'esprit d'Élie. Mais l'apôtre, Bamouna qui Élie, Pembeni à Jésus-Christ. À ce moment-là, Jean était déjà mort. On l'avait déjà décapité. Au moment où il Ngomba, c'était maintenant au moment où il fallait se Koufa. Au moment où il fallait se abattre Koulouse. Et tant que Pétolo, Balamoki, Napongi, Batali, Bamouni, Eli, Bamouni, Nani, Moïse, Bamouni, Jésus. Balamoko, tant Batelemi, Balamoko, Eli a disparaître, Moïse a disparaître. Directement, Pételo a Jumaloba, a dit maître, pourquoi pas tout ça là, trois temples. Temple Moko Yayo, Temple Moko ya Moïse, Temple Moko ya Élie. Alléluia. Et quand on parle Élie, on voit Jean. Jean-Baptiste. Mbalamoko, Malobébimi la Likolo. Celle-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Vous ne pouvez pas faire trois temples. Amen, amen. On n'a pas besoin des temples des prophètes. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'adoration de Jean-Baptiste. On n'a pas besoin d'adoration d'Élie ni de Moïse. Ce sont des hommes comme nous. Quel que soit leur privilège, quel que soit grandeur nabango, ceux qui n'ont chiffre 6. Alléluia. L'unique 7, c'est qui? Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne cherchez pas à devenir comme Jean-Baptiste. Alors mon frère, on nous a appris que Jean-Baptiste était le plus grand parce qu'il a bandé à Mabangi. Alors aucun Nazamba, au va Nazamba ou à Mabangi parce qu'il veut devenir comme Jean-Baptiste. Non, ça ne sert à rien. Alléluia, alléluia. Non, comme Jean-Baptiste ne s'était pas marié, moi aussi je ne vais pas me marier. Je vais rester comme ça, je vais devenir plus grand comme Jean-Baptiste. Non, ce n'est pas ça. Cherchez à devenir comme qui? Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Amen, amen. Il faut chercher à devenir comme Christ, comme Jésus-Christ. Ne cherchez pas à devenir comme Jean-Baptiste. Ne cherchez pas à devenir comme les hommes, mais cherchez à devenir comme lui-même, Jésus-Christ. Parce que Jean était grand par rapport au message. Il était grand par rapport au service, par rapport à l'apparition. Mais ce qui est important, ce qui est important pour nous, ce n'est pas de chercher à devenir comme Jean-Baptiste. La véritable grandeur, c'est de faire tout pour marcher dans le pas de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. La véritable grandeur que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est de chercher à devenir le vrai chrétien. Un vrai chrétien, celui qui est Jésus-Christ à ses côtés. Dans ce monde, il ne peut pas avoir de l'argent. Alléluia, alléluia. Il pourrait manquer même le mariage. Il pourrait manquer des maisons. Mais le fait d'avoir Christ en soi, c'est plus que toute autre chose. Dans ce monde, mon frère, ne célébrez pas les hommes. N'adorez pas les hommes. Ne vous égalez pas aux autres. Ne cherchez pas à devenir comme des hommes. Non. Alléluia, alléluia. Le véritable idole, c'est Jésus-Christ. Il faut devenir comme qui? Jésus. Comme Christ. Tant qu'on dit qu'on s'est égalé dans Jésus-Christ, là, tu dois trouver la véritable grandeur. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Dimension spirituelle, le plus grand. Oh, ezali très important. Ezali ya kuzala mu Christo. Le fait d'être un chrétien, vous n'avez pas à envier autre chose. La grandeur se trouve en Jésus-Christ. Et pose-toi la question, est-ce que tu es un vrai chrétien? Alléluia. Si tu es le vrai chrétien, tu es parmi les grands. C'est plus que toute autre chose. Le christianisme, les religions, oyo, Dieu fait de nous ses propres enfants. Mon frère, privilège et l'équité, il y a cause à la mort en ensemble. Il y avait une fois l'histoire d'Esther. Il y avait un roi qui voulait se marier. Il avait appelé plusieurs jeunes femmes du monde. C'était un empereur. À ce moment-là, on avait appelé beaucoup de femmes. Et ces femmes-là, quand elles étaient venues, on a beaucoup Enik. Enik s'occupait de ces femmes pour les montrer comment se laver, comment avoir les soins, comment être propre pour apparaître devant le roi. Parce que le roi devait faire le choix d'une femme parmi ses femmes. Amen, amen. La Bible nous dit ceci. Banabasi à côté, gauche, droite, Bayaki. Qui n'est pas baïnique. Et on le lavait. On lui donnait d'huile. Pour que mon colobako apparaître du bossu à roi. Roi à sa choix. Mais la scène résultat, c'est que après que Banabasio Basokoli Maï, Bakomi Kitoko Mafuta bien, Babandi Kolekasko lui bossu à roi. Pour que roi à sa choix. La Bible nous dit c'est que pendant qu'il passait devant le roi, roi posait qu'une seule question à ces jeunes dames. So Koti, Atali, Amoni Kozaki Toko, après son beauté, après tout nio, Ulingina sa ni pona yo. Moi la moi sa lobby, soubiranga avion, abi se fait. Kende avion solanda yo. Moussa Koti, Roatalié, wa lobby, na sa ni pona yo. Ngai lopango. Babutanga basangi lopango. Abiko qui s'est fait, tu peux partir. Et toutes ces jeunes femmes là, bakota bakota, bazwa biloko, bazwi bambongo, bazwi mapango. Amen amen. Il y a une jeune femme au nom d'Esther. C'était une juive. Tant qu'il y a zo kota, à côté, à se pointer le bossier roi, roi poser question. Moi, na moi si. To salanini ya kitoko pona yo lingi ba salanini pona yo. Atali roi abi mokonzi. Nazana poussa eloko mususu te. Albi yo zo lo senga eloko lingi ba pesa o leka. Abi te mokonzi. Ngai nazana poussa kaka na yo. Yo ozala yanga. Ugonza bi ah moi na moi si. Biloko ebele boyo koko senga te. Acclamé pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. La grandeur, il faut que Yesu akomaya yo. Amen, amen. Alléluia. Donc tu dis Seigneur, tout ce que moi je veux, et ça que yo, tout ce que moi je veux, c'est toi, que toi-même Seigneur, yo comme au bal nanga. Parce que ceux qui n'ont yo, n'ont sérieux comme yanga. Alléluia. Acclamé pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. La grandeur, c'est de chercher à avoir Botola Yesu Makomayayo. Amen, amen. Tu veux devenir grand, tu veux être grand parmi les grands, c'est d'avoir Jésus pour toi. Yesu Makomayayo. Donc, comme Jésus-Christ Nangamoko. Tu Nanga. Oh Yesue, Yaya Nanga Moko. Amen, amen. Qui devienne Yanga Moko. Comme ça Christ Yayo. Comme ça Christ Nzambe Nayo. Comme ça Christ Mobile Nayo. Comme ça Christ Muninga Nayo. Amen, amen. Comme ça Christ. Du Colomba Kambo Nyonso. Et quand Jésus-Christ a eu ma place Nyonso na vie Nayo, c'est ça la véritable grandeur. Alléluia. La véritable grandeur, ce n'est pas d'avoir de l'argent. La véritable grandeur, ce n'est pas d'avoir voyagé dans le monde entier. La véritable grandeur, ce n'est pas avoir plusieurs femmes comme Salomon et David. La véritable grandeur, ce n'est pas avoir le succès dans le monde musical. Alléluia. La véritable grandeur, ce n'est pas devenir le grand prédicateur du monde qui prêche partout, qui a voyagé dans le monde en train de prêcher. Ce n'est pas ça la grandeur. Alléluia. La grandeur, ce n'est pas faire trop de jeûnes. Non, ce n'est pas ça la grandeur. Alléluia. La grandeur, ce n'est pas parce que tu ne veux pas te marier pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est de faire la volonté de Jésus-Christ. C'est d'aimer Jésus-Christ. Alléluia. Alors, celui qui m'aime, celui qui veut de moi, il garde ma parole. Le fait de garder la parole de Dieu, c'est ça la véritable grandeur. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. On a parlé de l'appel privilégié de Jean-Baptiste. L'appel privilégié. Que Jean-Baptiste était le plus privilégié. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est protégé. Il est parmi les grands, le dernier des prophètes. Après Jean-Baptiste, il n'y a pas apparu d'autres prophètes. Avant l'apparition de Jean-Baptiste, ça s'était passé 400 ans. Dieu ne parlait pas encore à son peuple. C'était au moment opportun que Jean est apparu. Jean est apparu, il a commencé à évangéliser, à préparer les chemins de Jésus-Christ. Après avoir préparé les chemins, il a montré au peuple le Christ. Alléluia. Et cette mission, cet appel, dépassait même l'appel d'Abraham. Cet appel dépasse l'appel de Jacob. Alléluia. Et cet appel dépasse l'appel de Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Et cet appel dépasse l'appel de Moïse et de David. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, les gens ont servi Dieu, mais personne ne l'a fait comme Jean-Baptiste. Il était le plus grand. Parmi ceux qui étaient nés de femmes, il n'y a pas apparu quelqu'un, un grand prophète, qui avait servi Dieu comme Jean-Baptiste. Il avait donné sa vie. Il avait tout donné pour Dieu. Il avait surmonté ses défauts. Il était émis de fortes convictions. Il s'était même refusé pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout ça qui compte. Ce qui compte, c'est que, est-ce que tu peux avoir la vie éternelle? Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas fait de cela. Il y a un monsieur qui, lui, il n'était qu'un voleur, un bandit. Un jour, à la croix, à côté de Jésus-Christ, il a eu la grâce d'aller au ciel. Alléluia, alléluia. Il était le plus petit, non? Il est devenu plus grand que Jean-Baptiste. Amen, amen. Vous avez compris quelque chose? Cela veut dire que la grâce de Dieu dans ta vie, c'est plus que tous ces privilèges de Jean-Baptiste. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Dieu peut te faire grâce, quel que soit ce que tu étais, dans la vie de l'impulsé que tu as marché, tu as parcouru toute ta vie. Après, tous les mal que tu avais fait, le fait d'accepter Jésus-Christ et de confesser ses péchés, devenir enfant de Dieu, et cette grâce-là, c'est plus que tout. C'est ce qu'il faut chercher. Alléluia. Cherchez à changer, à vous repentir, à devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça le problème. Les gens ont changé de nom. N'a commis prophète qui attend de la fin. N'a commis Élie. N'a commis Jean-Baptiste. Tout ça parce que Jean est le plus grand. Alléluia. Les gens ont cherché à devenir des Jean-Baptiste, des prophètes, des Élies des temps de la fin. Aujourd'hui, dans tous les coins, à partir d'abord dans mon pays ici, dans toutes les régions, vous verrez, il y a des Élies, des prophètes Élies, les prophètes des temps de la fin. Ils se disent, ils s'appellent, moi je suis prophète des temps de la fin. Moi je suis prophète des temps de la fin. Vous partez partout. Vous partez en Europe, il y a un prophète des temps de la fin. En Asie, il y a un prophète des temps de la fin. Amen, amen. En Amérique, il y a un prophète des temps de la fin. Partout, il y en a. Moi-même, chez nous, là-bas, il y en avait aussi. Alléluia, alléluia. Il y en avait à Kananga, même en Bujumaï, il y a un prophète des temps de la fin. Alléluia. Ces gens-là cherchent quoi? Ils cherchent à devenir, alléluia, à devenir comme Jean, parce que Jésus-Christ avait dit, Jean est le plus grand. Alors, ils prennent ça, cet endroit, cette place. Mais ils oublient que Jésus-Christ avait dit à la fin que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, ne cherchez pas à vous égaler. Ne cherchez pas à devenir comme lui. Cherchez à devenir comme moi, le Christ. C'est déjà plus que tout. Ne rentrez pas dans le passé. Jésus-Christ est déjà à Paris, c'est fini. On n'a pas besoin d'autres prophètes. Amen, amen. Jésus est déjà là, c'est lui le sauveur. Son nom veut dire Yoshua Amasha, qui veut dire le Dieu sauveur. C'est ce qu'on appelle, quand toi tu dis en bref Jésus-Christ, cela veut dire que le Dieu sauveur, Yoshua Amasha. Nous avons déjà les Yoshua Amasha. Pourquoi chercher encore une autre personne? Le sauveur est déjà à la porte. Alléluia. Il est là. Et ce qu'il faut faire, c'est devenir l'enfant de Dieu, accepter le sauveur. Un point très. On n'a pas encore à chercher d'autres personnes. Il y a des gens qui... Il y a des noms. Il y a des noms. Les gens qui naissent aujourd'hui, qui cherchent à donner leur nom. On va même commencer à prier avec leur nom. Pourtant que le sauveur est déjà là. La paix privilégiée de Jean-Baptiste. On a compris que Jean-Baptiste, son appel était vraiment privilégié qu'Abraham, que toute autre personne, même qu'il marie la mère de Jésus-Christ. Jean est plus grand que Marie aussi dans ce monde. Alors la Bible nous dit, il est le plus petit pour le royaume des cieux. Alors qu'est-ce qu'il faut? La Bible dit, cherchez vraiment le royaume des cieux pour devenir plus grand que Jean-Baptiste. Vous voulez devenir plus grand que Jean-Baptiste? Cherchez vraiment le royaume des cieux. Le reste des choses vous sera donné. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. C'était la prédication d'aujourd'hui. Si vous avez une question à poser, salanga na kokakateo mabe na koboya yango na kosala na bomoi nanga yawe limbisanga.